Heute bin ich auf der Farm Le Varel von Etienne und der hat mir gezeigt, dass eine Landwirtschaft mit weniger Pestiziden, weniger Mineraldünger, also weniger Input möglich ist und auch noch ökonomischer ist. Moi j'avais 18 ans, donc moi j'ai arrêté mes études et j'ai continué la ferme. Et en 1996, j'ai repris la ferme à mon nom. Elle était en agriculture conventionnelle au départ et puis on a évolué vers des pratiques d'abord purement par souci économique. On a été vers de la simplification du travail du sol et puis on s'est rendu compte qu'en fait ces pratiques-là c'était des pratiques agroécologiques et on a vu que les sols répondaient, qu'ils étaient plus résilients face à la sécheresse et des choses comme ça. On faisait des économies de carburant et donc on a continué à évoluer. On est un secteur économique à part entière, on a des factures à payer, on fait des crédits pour des investissements, donc on doit être rentable, on doit respecter le sol, on doit respecter les animaux, on doit respecter la vie en fait. La chimie n'a jamais fait gagner du rendement. La chimie a évité qu'on en perde. À nous de trouver des solutions pour ne pas en perdre sans la chimie, mais c'est jouable. Si je remonte 5 ans en arrière, notre budget intrant chimique est très stable, quitte à diminuer un petit peu, alors que le prix proportionnellement a fort augmenté. Et donc nous, on arrive à se maintenir, même à diminuer. Les pratiques écologiques, c'est des pratiques qui existaient avant, qu'on doit réapprendre. Donc il y a la diminution du travail du sol, c'est l'allongement des rotations aussi. C'est important d'avoir des rotations bien longues, des sols le plus souvent possible couverts. Sur la ferme, on n'utilise plus de néonicotinoïdes depuis 4 ans. Il n'y en a pas de baisse de rendement suite à ça. Donc on fait une association de betteraves et de févrole au semis. Et donc la févrole est en fait un hôte pour les coccinelles. Les coccinelles sont des grandes consommatrices de pucerons. On ne connaît pas le fonctionnement d'un sol. Ben, il faut peut-être commencer par là, parce que le sol, il va devoir produire les aliments pour ma vache. Donc, si on commence par le sol, ben, normalement, on aura une vache en meilleure santé, on aura des gens en meilleure santé. Que si on met tout en œuvre pour faire du blé avec le moins possible de pesticides, ben, la farine qu'on va en sortir sera plus bénéfique pour les gens aussi. Les premiers écologistes, ce sont les agriculteurs. Même si, à un moment donné, ils ont peut-être avancé dans un mauvais chemin, mais je pense qu'à partir du moment où ils occupent l'espace qu'ils occupent, ben, ce sera les premiers à pouvoir intervenir sur l'environnement qui est à leur disposition. Etienne's Farm zeigt, eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft ist möglich. Das ist ein ermutigendes Beispiel, wie Bauern in der Zukunft Landwirtschaft betreiben können, wie sie eine Zukunft haben können und wie sie noch stolzer auf ihre Produkte sein können. Ein Hoch auf Etienne und seine Landwirtschaft.